Sur le tirage. Bon. Alors, racontons nos vies un peu là. T'as quoi déjà Voilà. sur YouTube, je suis déjà là. Putain, ça me passe pas déjà là-bas, ça me fait des couilles. 30 secondes. Vas-y, tu me dis. Non, on peut déjà parler, hein. C'est ce qu'en fait, c'est sur mon Vas-y, bah, quel site. match tu veux démarrer sur quel match? Moi, c'est Real Barça. Moi, je vous conseille d'abord sur le Real Barça parce que je vois trop les gens s'exciter sur ah, c'est bon, le Paris, pourquoi j'irais le Barça? Paris Saint-Germain, Barça plutôt. Ah, Tu c'est veux que bon. démarrer sur le PSG et le Barça, ça? Ouais, parce que Donc, c'est quoi ta question? Parce c'est. que tu me parles des gens, c'est-à-dire. Non, c'est. J'ai vu l'enthousiasme des gens Ouais. pour eux quand le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone. Pour eux, Paris a officiellement la Ligue des Champions. Rien à voir, parce que on ne se base pas que sur un match, parce Merci. qu'après il y a les prochains tours déjà pour commencer. Après, c'est Voilà. vrai qu'on peut avoir des adversaires qui sont plus ou moins abordables, mais dans toute la liste que tu vois là, de base, on va dire la valeur sûre, c'était Dortmund, parce qu'on les a déjà battus pas en phase de groupe. Oui, Donc exactement. voilà, malgré qu'ils ont fini premier, mais je pense que tout le monde voulait rencontrer Dortmund, tu vois. Après, pour moi, tous les autres matchs sont difficiles. Maintenant, réellement, les deux gros à éviter, forcément, pour moi, c'est le Real et les City. Ah Pour oui, moi, ça c'est les c'est deux clair. favoris. D'accord. Ça c'est Après, si tu clair. enlèves ces deux-là, tous les autres, c'est pareil pour moi, quasiment. Tu vois. Maintenant, par exemple, si tu prends Arsenal, bah, tu vois, le championnat qu'ils font actuellement, ils sont forts, malgré que des fois, ils passent à travers. Tu vois, ils font pas, mais dans la régularité, c'est costaud Arsenal, tu vois. Et je pense que beaucoup de personnes voudraient éviter Arsenal cette année. Ensuite, à qui bah, Bayern. le Bayern. Bayern aussi. Maintenant, le Bayern, ils sont pas forcément en forme, mais ça reste une grosse équipe. Une fois qu'ils déroulent, ils déroulent, tu vois. C'est ça. Et ces gros clubs, dans les moments importants, tu vois bien qu'ils peuvent te faire leur match, quoi. Comme si c'était une finale. Et s'ils sont là, c'est pas moyen. Après, moi, il y a une équipe que vraiment, j'aimerais jamais à jouer, c'est Atlético. Atlético, Ouais, c'est une équipe qui t'endort, qui peut faire un sale match, mais ils sont tellement efficaces. Et surtout, s'ils mettent le premier but en. Genre, s'ils marquent en premier, bah, en défense et milieu, c'est vraiment costaud, tu vois. Parce qu'après, ils jouent en mode phase défensif et c'est très, très costaud, tu vois. Ah mais ça, on regarde face à l'Inter. Ils ont pas marqué en premier Ouais. face à l'Inter. Au contraire, ils étaient menés. Ils étaient menés. Et quand tu regardes dans le jeu, parce que j'ai vu le match, l'Inter, franchement, avait des plus belles occasions. Ils sont vite projetés en avant. Ils ont eu du mal, mais tu as bien vu que l'Atlético, en termes d'expérience, en termes de. Je sais pas, il y a un C'est truc ça, en que les fait. autres n'ont pas, en fait. Ils sont chiants à jouer, tu vois. Ils Et sont pour moi, trop chiants. Mais regarde, les même seuls qui peuvent le battre, c'est le City Real. À chaque fois, c'est comme on ça. avait eu du mal. City qu'on avait joué contre eux, là. L'année où on était passé, ou je sais plus quelle année, là. On Ouais, avait eu du c'est mal vrai. à jouer contre eux. C'était chiant de ouf. Je suis d'accord. Mais l'Atlético, je t'ai dit, c'est une équipe. C'est vraiment traître. Ils peuvent battre n'importe qui. Comme ils peuvent faire un sale C'est match, clair. mais ils ont toujours un truc, c'est comme s'ils jouaient à 12 en fait. Comme s'il y avait un truc Ouais, qui fait c'est ça. qu'à un tel moment ils marquent. T'as pas vu, regarde, ils ont mis 1-0 l'Inter. Juste après une occasion bizarre, Griezmann il marque. Mais vraiment bizarre. Et regarde les 5 dernières minutes, là, on va dire les 15 dernières minutes. C'était incroyable quand même. Avant d'aller en prolongation et tout, ils auraient pu tuer le match. L'Inter aurait pu tuer le match. Puis après, tir au but, franchement, voilà quoi. Et Mais ils ont toujours ce petit truc qui font que. Ils sont en finale. Et si tu regardes bien dans le tableau, je crois que c'est l'équipe qui est arrivée le plus en finale. Qui s'est fait toujours stopper par le Real, quoi. par Tout le temps en finale ou. leur Tu vois? bourreau. Voilà. En plus, pourquoi j'insiste sur eux, c'est parce que personne ne parle de l'Atlético, en fait. Chaque année, ils sont là, mais personne ne parle d'eux. Tu vois? Les gens les sous-estiment trop. Les gens sous-estiment C'est la ça. Tético maintenant. Alors que c'est le même jeu depuis des années. Ils ont un style de jeu à la Simeone. Merci. Même s'il y a un turn. En fait, je trouve que c'est la meilleure équipe en termes de turnover, mais le jeu, il est pareil, en fait. Le Ils n'ont jeu pas est pareil. besoin d'un Messi ni rien, tu vois. Ils n'ont pas des stars, en vrai. Ils ont des bons Non. joueurs, mais ils n'ont pas forcément de grosses En fait, stars, tu ils ont vois. un équilibre. Ils ont un équilibre dans Exactement. leur équipe. Exactement. Ils ont un style de jeu, ils y vont, et puis basta, tu vois. Il n'y a pas de chichi. Et ça, franchement, pour jouer contre eux, c'est difficile. Donc, moi, déjà, je les vois favoris contre le Dortmund. Hein. Ça, ils jouent contre Dortmund. Ouais, c'est ça. Favori? Ouais, c'est ça. Ah si, du côté Ouais. Dortmund. Donc ouais, déjà ils vont Je passer pense que Dortmund. ça va être un match bizarre. Ça va être un match bizarre, mais tu verras, c'est l'Atlético qui va passer. Ouais, ça c'est ma part. Après, revenons au PSG parce que c'est ton sujet, je pense, et Barça. Pourquoi c'est un tirage entre guillemets favorable? Parce que quand tu regardes,
Nous, on voulait jouer le Bayern, le Dortmund. C'est pas passé. Arsenal, franchement, c'est difficile. Je ne veux pas te le cacher. Ensuite, le Oui. Real City, j'en parle pas. Je pense que c'est logique. Le Mmh. Bayern, bah, à tout moment, ils peuvent être incroyables. Donc, franchement, autant les éviter. Surtout, en fait, ces genres d'équipes en match aller-retour, vaut mieux les affronter en finale. Où tu sais que ça jouera un match, il n'y a pas d'aller-retour, tu vois. Ouais. Donc, deuxièmement, le Barça, ils sont pas en forme cette année. On en a parlé, rappelle-toi, au Oui, on dernier a live. parlé de la fin. Le Barça, ils peuvent faire des folies, ils peuvent revenir, mais si tu as vu le match contre Naples, c'était pas terrible. En plus, défensivement, ils sont pas terribles. Et en plus, j'apprends qu'il y a au moins trois blessés. Il n'y a pas Pedri, il n'y a pas De Jong, il y a beaucoup de joueurs absents. À ce point-là? Tu vois? Et c'est. Ah oui, j'ai écouté. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de joueurs blessés, en fait, qui seront. Et je pense qu'ils ne seront pas là ce jour-là, d'après ce que j'ai entendu à la radio. Et en plus, bah, ils ne sont pas en forme. Donc, c'est peut-être le moment pour le PSG bah, dire de profiter Oui, de leur faiblesse de cette saison. Attends, il y a un Tu commentaire vois? là. Et en Attends, plus. Abdou, il y a un Ouais. commentaire. Une personne qui a dit, Vas-y. c'est pour Paris cette année, je ne suis pas parisien, mais je pense que c'est pour Paris. Il y a trop de signes, le Real va sortir Manchester City. Parce que le dernier Manchester City a sorti le Real. Et je sens cette année que Manchester, que le Real, je sais pas, il écrit quatre fois la même chose. Et ça passe à la finale à Real de Madrid-Paris. Putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Il est passé où? Bon, je vais continuer live tout seul. Le temps qu'il revienne. Apparemment, les gens disent c'est pour Paris. Là ou pas parce que j'ai eu un bug. Oh, c'est bon, t'es revenu. Ouais, donc ouais, les gens disent que c'est pour Paris, il y a des signes Mbappé, Real, etc. Ouais, Non, tout ça le veut monde dit rien dire. ça. En fait, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Pourquoi les gens sentent, et moi aussi, je vais pas te dire, je vais pas te le cacher, il y a un petit espoir. Pourquoi? Parce que si on passe le Barça, en fait, quoi qu'il en soit, on va éviter le Real et City. Parce que le prochain tour, je sais pas si tu as bien suivi. Si on passe le Barça, au top, c'est le vainqueur de Dortmund et Atlético. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il faut déjà passer le Barça. Et si on arrive à tuer le Barça, match piège contre Atlético ou Dortmund. Mais quoi qu'il en soit, on affrontera Real ou City, à moins qu'il y ait une surprise, en finale. Tu vois? Donc, c'est vrai Ouais, que. parce que non, parce qu'il y aura Arsenal Bayern déjà. Donc on Exactement. va Après, prendre la... tu connais le PSG. Le problème du PSG, c'est quoi pendant Champions League à ce niveau-là? C'est le plan psychologique. C'est ça en Tu vois? fait. C'est pour là, c'est ça et c'est Paris, pour ça. attends, je finis juste sur ça. Voilà, Et vas-y, fini. Paris va jouer toujours en match aller chez eux et en match retour au Barça. C'est ça le Et là, problème. en fonction de ce qui va se passer au match aller, limite, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie qu'ils mettent un 3-0, 4-0. J'ai envie qu'ils gagnent 1-0, 2-0 maximum. Comme ça, ils vont continuer à jouer. Tu comprends? Et Paris, psychologiquement, j'espère me tromper, que cette année, ce soit pas pareil. Mais voilà, ils ont réussi à battre le Barça il y a longtemps avec un triplé d'Mbappé. Mais là, sur un plan psychologique, je sais pas. Mais il faut d'abord passer le Barça, je pense. Et après, je pense que si on arrive à passer le Barça, on a une chance de gagner. Ouf, ouah, ouah. Une chance, j'ai bien dit une chance, j'ai pas dit Oui, une qu'on chance, allait. une chance. Non, mais Voilà. oui, parce que toi, t'as détaillé ton propos, tu l'as expliqué, t'as donné Oui. certaines raisons. Mais les gens, c'est en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens, ils oublient l'historique du Paris Saint-Germain. Donc, toi, tu l'as rappelé, c'est le plan psychologique. À Exact. l'aller, ça se passe à Paris. Oh, c'est trop fort, on va gagner. Mais au retour, les gens oublient souvent que ce Paris fait défaut, c'est pas l'aller, hein. Et en plus, là, Exactement. c'est des matchs à grosse intensité, à grosse pression. Et après, bon, peut-être un problème, bon, je vais continuer. Donc, il revient. T'es bon? Allô? Bon, je vais continuer mon propos. Donc, Paris Saint-Germain, pour moi, s'il y a trop d'excès de zèle, risque de ne pas passer même les quarts en vrai de vrai parce que c'est ce truc moi pour moi à Paris il manque cette envie l'envie de la fin de savoir qu'on est sur la ligne droite il y a une ligne droite il faut y aller pour moi Paris à ce moment-là ils font défaut pour moi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, bon, c'est vrai que maintenant, Paris, cette année, c'est plus les grosses stars, à part Mbappé. Ça joue un peu plus, même si c'est pas un gros jeu. Ça joue plus collectif. Et n'oublions pas aussi qu'on a un coach qui connaît bien le Barça.
Tu vois, bah Ouais, d'ailleurs, c'est ça. c'est lui qui nous avait fait la remontada. Et je pense que Barça, j'entends de la radio, craignent le PSG à cause du coach, parce qu'il sait que c'est un coach fait pour gagner la Champions League. On va pas se le cacher, on a un bon coach qui est têtu et qui peut changer n'importe quel joueur quand il voulait. Tu vois, donc on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur ce qu'on pouvait tomber, on pouvait tomber sur pire. C'est ça, Oui, en bien fait, qu'il sûr. faut Mais en se plus, dire. là, tu as dit quelque chose d'important. Tu Et as dit quelque surtout chose d'important, Abdou. le chemin. Parce que psychologiquement, on sait, si on passe le Barça, le chemin est plus probable que l'autre chemin qui est opposé. Ouais, Tu c'est vois? vrai, ça. Ça, par contre, ça, C'est ça, par en fait. contre, c'est le meilleur que carré. Bah oui, mais tout le monde le dit, en fait. Dès qu'ils ont passé, ils ont fait les tirages, tout le monde était content. Mais je pense que c'est plus pour le chemin, en fait, qu'ils sont contents. Parce qu'on se disait, Mmh, bien sûr. on se disait, parce que les gens se disaient, Barça, ils sont pas en forme. C'est le moment, en fait, de les tuer. Il faut les sortir. Après ça, tu as un chemin qui est plus court, plutôt que l'autre. Tu vois, l'autre, ils ont, à la fin d'Atletico au truc, bah, ça va être contre City au Real, tu vois. C'est ça le truc, c'est Donc, ça. deux gros matchs difficiles pour eux, ils le savent. S'ils passent là, putain, il y a encore un autre boss de fin. Tu vois? C'est comme si Boss de tu fin. affrontes un boss de fin et le prochain, il va être encore plus fort. Ça, c'est Théoriquement, tu vrai, vois. ça. Alors que Ça, c'est là, c'est vrai. pour ça que sur un plan psychologique, c'est écrit. Peut-être les gens, ils s'est écrit parce que c'est la dernière d'Mbappé, etc., etc. Mais bon, on ne sait pas. Il faut déjà faire Après, le taf. on va pas se mentir, ce serait une histoire fabuleuse. Bien sûr, Ce serait Mbappé merveilleux gagne pour lui. la Ligue des Champions, il part. Bah, Ce serait franchement, merveilleux. Ce serait même merveilleux. pour tous les Parisiens, ce serait incroyable. Le Bien seul qui a sûr. réussi, après tous les venus qu'ils ont eus du Qatar et tout, forcément. Bien sûr, Mais ça, voyons voir. ce serait historique. Ce serait historique. Ce serait historique. Après, bon, là, on parlait du PSG et de l'espoir du PSG. Maintenant, on va peut-être parler du match, les pronostics du match. Tu penses, toi, t'en penses quoi? Pour moi, match aller, je pense que Paris neutralise le Barça à l'aller comme d'habitude. Match retour, soit 1-0 ou 2-0 pour Paris. En fait, pour moi, j'ai envie que Paris gagne. Et donc, mon pronostic qui va être en faveur de Paris. Je ne vais pas te mentir. Je vois D'accord. bien Paris à l'aller mettre un 2-0 ou un espèce de 3-1 à l'aller. Et au retour, mettre un 1-0 ou un 2-0. Ouais, d'accord, je vois. Après, moi, pour mon promo, je pense qu'en match aller, Paris va faire le taf. Va faire un gros taf, vraiment. Je vois plutôt le 2-0 ou le 3-0. Je vois comme ça. Et match retour, soit ils vont confirmer pour dire voilà, on est là, soit ils vont faire match nul ou sûrement perdre, mais avec les points, ils sont devant. Ça, Au c'est mon moins, tout le promo. monde envoie la qualif, mais C'est ça. ouais, on voit une qualif, mais Je pas la la vois même la qualif, qualif, moi. mais on souhaite une Ouais. qualif. Je la vois la qualif. Je pense que le mental, il est assez différent. Tu vois? Je trouve qu'il y a des joueurs cette année qui, mis à part les grosses stars, ils sont là pour jouer. Tu vois, ils mouillent le maillot. C'est ça. Et tu Quand on vois, parle les voir rentrer sur le terrain, on voilà, dit, pour lui, moi, il a pour voilà, jouer. c'est ça. Pour moi, le meilleur, pas le meilleur joueur, mais pour moi, les recrues qu'ils ont fait, bah, ils ont fait un recrue à chaque poste qui est plutôt costaud, même psychologiquement. Hernandez, tu vois, il est là à chaque match. Pour moi, c'est une des meilleures recrues parce qu'il n'est pas extraordinaire, mais tu le vois qu'il joue, Non, il il a est envie de plutôt jouer. régulier. Il a envie de Et gagner. Ils ont envie de voilà. gagner. Et t'as Nuno De Mendes toute façon, qui revient de blessure. c'est ce que les supporters ont demandé depuis des années à Paris, Exactement. aux dirigeants, c'est de mettre Voilà. des joueurs qui veulent jouer réellement au football. Bah oui. Et tu vois que tout le monde, personne à sa place, tu vois bien que tout le monde tourne. Voilà. Et t'as Dembélé qui fait mal sur le côté, t'as Mbappé qui peut faire différence à tout moment. Après, ce qui est bien, c'est que t'as des bons jeunes, tu vois, où tu peux les faire jouer. En défense, c'est bon, avec Marquinhos, je suis pas très serein. Mais voilà, Hernandez, Nuno Mendes à gauche, pour moi, c'est très fort. Hakimi à droite, mais par contre, Hakimi ne sera pas là au match aller. Oui, parce qu'il a pris le Donc, carton. voilà. Donc, c'est-à-dire que je préfère que quelqu'un à gauche soit suspendu qu'à droite, parce qu'à gauche, tu peux changer. À droite, je Oui. ne sais pas qui peut remplacer Non, à Hakimi. droite. À droite, c'est Mukele, l'autre mais là. bon, Mukele, ça va être compliqué. Mukele. Non, mais c'est à gauche. Attends, droite, c'est À oui, gauche, tu as gauche. Nuno Mendes et Hernandez. Ouais, eux, c'est bon. Eux, j'ai confiance en Eux, eux. c'est bon. Eux, Tu j'ai vois, confiance sachant en eux. qu'Hernandez, Les yeux il sur peut lui, jouer j'ai dans confiance l'axe, en il eux. peut jouer à gauche, donc ça, c'est pas un souci. Mais à droite, Après, là, voilà. pour moi, ce qui me fait peur, c'est la défense centrale. Après, je suis très étonné du nouveau joueur, la Beraldo, là. Il fait des matchs incroyables en défense centrale, mais le problème, c'est qu'il joue avec Hernandez dans l'axe et les deux sont gauchers. Et ça porte à Ah. défaut. Donc il va falloir faire un choix. Marquinhos, il est encore blessé, il va revenir tout juste. Mais est-ce que Marquinhos, mentalement, c'est fort? Là, je ne sais plus trop. Danilo, c'est un peu trop lent. C'est fort, mais c'est lent. Donc le Ouais. problème, ça va être défensivement, ça va être un peu ça. Milieu de terrain, je pense que ça fera l'affaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de milieux de terrain qui peuvent apporter quelque chose. Et j'ai aimé aussi l'audace de mettre Dembélé en 10.
Ça peut être Ouais. sur un plan tactique pas mal. Ouais, ça c'est pas Et mal ça. après, tu as une rotation avec Asensio aussi. Là aussi, il peut faire du bien vu qu'il a l'expérience avec le Real. Lui, il fera pas de cadeau. Après, on verra. Après, le vrai neuf, c'est ça qui pose le problème. Colomani, Ramos, ils n'ont pas de confiance, ils n'ont pas de temps de jeu. Donc, est-ce qu'ils vont pas tout miser sur Mbappé? Et c'est ça qui est traître. C'est ça le truc, Tu vois? c'est Je veux absolument que Mbappé joue à gauche parce que dans l'axe, ils passeront pas. Dans l'axe, franchement, faut à chaque fois qu'il fasse l'exploit. Alors qu'à gauche, il emmène le but, il emmène le jeu. Tu vois? ouais, C'est pas il pareil. emmène le jeu, il crée, Exactement. il aspire Exactement. les défenseurs, Moi, et vraiment, après, j'aurais t'as fait rien. confiance à Ramos, tu vois. Ramos, franchement, il faut lui laisser le temps. C'est un très bon joueur. Il faut juste lui laisser le temps, je te jure. Colomani, non, franchement, je suis pas très fan de ce joueur-là. C'est Oh, non, mais un personne n'est bon, fan, une bonne personne n'est fan. rotation. Tout le monde Une dit. bonne rotation, un bon truc, mais Ramos, faut le laisser, c'est un chasseur. C'est le genre de joueur qui, en fait, qui n'a pas besoin de se mettre en confiance en touchant le ballon. C'est pas le Non. mec de, c'est pas le genre de joueur qui va venir en retrait pour pouvoir être en confiance. C'est le joueur qui, un peu comme Inzaghi, qui attend le ballon au bon moment, en fait. Tu vois? De base, ah, c'est ce qu'on demande à neuf, hein, c'est de marquer. Hein. On ne demande pas de Exactement. Mais courir sur le terrain. le problème, c'est que le coach et la plupart des Parisiens, ils commencent à aimer, comment il s'appelle, Barcola. Et Ouais. si tu mets Barcola, où vas-tu mettre Mbappé? C'est ça la question qui se pose actuellement. Tu vois? Donc moi, c'est pour ça que je dirais qu'il faudra laisser Dembélé dans le cœur du jeu, remettre Barcola à droite, laisser Ouais, Mbappé à gauche et Mbappé mettre à gauche. Ramos dans l'axe. Tu vois? Et au cours du jeu, en fonction des résultats, en fonction de comment ça se passe, tu fais sortir Ramos et tu remets à la fin du match Mbappé dans l'axe. Et tu rebascules avec Asensio quelque part, tu vois? Et là, ça peut être intéressant. Mais de tout, oui, de toute façon, il pourra toujours sortir Barcola pour emmener quelqu'un d'autre à la place. Exactement. Après, tu peux Et laisser à droite parce qu'il me semblait qu'à Lyon, Barcola jouait à droite. Donc, mais la il dernière a fois, assez d'expérience, je trouve. il est même parfois à droite. Mais après, oui. Après, comme tu as dit, si on revient sur les joueurs. Au moment de. Imaginons, Mbappé n'est pas dans son match. Imaginons, ça peut arriver. D'accord. Première mi-temps, il n'est pas dans son match. Mais deuxième mi-temps, c'est un peu bizarre. Il sort Mbappé. Il met Ça se qui à la partage jamais, place? ça. C'est mort. Tu vois pas? Impossible. Impossible qu'il fasse sortir en Champions League. C'est ça le problème. C'est que Ce t'imagines, il serait n'est pas bon. impossible. Oui, mais tu sais, dans ce genre de match, même s'il n'est pas bon, tu dois le laisser. Oui, est-ce que tu Tu t'espères comprends? qu'il y aura le petit C'est pas que truc tu et tout? espères. En fait, je t'explique là pourquoi le PSG, c'est différent des autres années. Parce qu'à l'époque, tu avais trois joueurs indiscutables devant. Tu avais Neymar, Messi et Mbappé. Les trois, ils sont pas bons, tu fais quoi? Ah, Tu tu comprends? veux. Ah, Alors que là, c'est un joueur, et c'est Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un joueur qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite. Dans ce cas-là, c'est à lui oui, de donc s'il décider n'est de pas prendre bon, ses responsabilités. juste tu refais ta formation pour trouver le bon poste qui va lui Exact. convenir à ce Voilà. moment-là. Exactement. Qui bouge, tu le laisses bouger, tu le laisses libre, tu le laisses en axe, tu le laisses à gauche, tu le laisses faire ce qu'il veut, tant qu'il est à l'aise. Après, En fait, pour c'est moi, ce ça, qui en me fait fait, la peur, c'est que j'ai confiance. peur que les gens. En fait, moi, la seule crainte que j'ai, c'est que j'ai peur que tout le monde se concentre sur Mbappé et tout le monde cherche Mbappé. Paris est plus fort quand ils En n'ont pas fait, c'est l'excuse. ça le Tu vois problème. le problème? En fait, si Mbappé, il est fort, en fait, je te dis un truc. Si Mbappé, il joue bien, il est dans son match, il va jouer Et dans son collectif. match. Il va jouer collectif et tout le monde va jouer collectif. Tu vois? Mais Voilà. quand Mbappé, il est moins bon, les gens vont chercher Mbappé parce qu'eux-mêmes, Ah ils non, sont moins oui, bons. quand il essaie de bouder, Donc, ils quand il fait le attendent boudeur l'exploit là, qui est tout d'Mbappé. seul dans son coin là. Exactement. Et Mbappé, s'il revient en retrait, c'est qu'il n'est pas content. Si tu le vois courir tranquille, prendre des profondeurs, c'est qu'il est à l'aise. Et quand il revient derrière, c'est qu'il est frustré, en fait. Donc, avoir vraiment cet état d'esprit. J'espère que ouais, j'espère que l'entraîneur, enfin, j'espère que les joueurs ils vont tous jouer ensemble. Ils vont arrêter de paniquer. Après, moi, l'attaque, ça me fait pas Là, peur, moi. La je pense défense. que là c'est le collectif qui va jouer. Ouais. C'est vraiment le collectif qui va jouer. Et surtout, comme tu as dit, la mise en confiance d'Mbappé. Ouais, mais après, tu verras. Je pense pas que ça sera que Mbappé qui fera la différence. Tu verras que les joueurs, ils seront impliqués, je pense. Moi, j'ai confiance aussi en Dembélé, s'il n'est pas blessé. Dembélé, généralement. Après, tu sais, le fait de mettre dans l'axe, c'est une très bonne idée. Tu m'entends? Allô? Je savais Tu que oui, m'entends, mais Pagé? je suis là. Ouais, je suis là, je suis là. Ouais, Allô, je tu suis là. m'entends, là? Ouais, je te Oui. disais que, en fait, Dembélé dans l'axe, c'est une bonne astuce. Mais le problème de Dembélé, c'est qu'il va être bon dans l'axe, pas de souci, il va apporter des choses. Mais à droite, il n'y a personne qui va percuter comme il le fait, en fait. Tu comprends? Donc, est-ce que C'est tu ne pour mettrais ça pas en Asensio fait. dans l'axe?
je mettrais pas Asensio dans l'axe ou Asensio à droite, mais Asensio, c'est pas le genre à percuter comme Dembélé. Il va t'apporter peut-être un crochet, rentrer à l'intérieur et mettre une grosse frappe, mais Dembélé, il est capable de te faire gauche-droite partout, en fait, et de faire de la bonne passe au bon moment, en C'est fait, ça tu le vois. truc. Mais dans l'axe, Je qui pense que peut mettre apporter aussi Dembélé comme au Dembélé? centre. En fait, il manque un vrai 10, tu vois. Ouais, mais je pense que tu vois sur ce. Après, comme. Non, tu peux face au Barça, les défenseurs du Barça, ils sont rapides, ils sont lents. Ils sont lents. Justement, Ils c'est sont pour ça lents. que tout le monde est content, parce qu'ils sont hyper Ouais, lents. À part Koundé, avec et Dembélé, donc tu Koundé, il est mets. court. Ouais, donc en vrai de vrai, tu dois mettre Dembélé sur le côté et Mbappé sur le côté. Exactement. Et surtout, jouer simple, il faut jouer simple. Ouais. Ou bien tu peux mettre un Dembélé en faux neuf, tu mets Barcola à droite et Mbappé à gauche pour commencer, pour voir. Parce que les trois, ils sont super rapides. Après, il faut essayer. Mais dans faux neuf, je sens pas Faut Dembélé voir. faux neuf. Et je vais te dire un truc, moi, de tous les matchs du PSG que j'ai vus, là où j'ai vu que l'attaque était superbe, c'était en début de saison. J'étais encore bled, hein, pour dire. C'était en début de saison, quand les joueurs étaient encore bronzés. Je crois qu'ils ont joué contre Monaco, premier match, là, ou deuxième. Et là, il y avait Asensio qui n'était pas encore blessé. Il avait joué en faux 10, en faux 9, pardon, avec Mbappé et Dembélé sur les côtés. C'était incroyable. Et je crois que les joueurs ont un peu Asensio. oublié. Ah ouais, Asensio, pour moi, ils devraient jouer en faux 9, mais complètement. Asensio, ok. Oui, ça, oui, parce que, mais ouais, lui c'est possible, lui. C'est ça mon truc, tu vois. Mais pas, moi, je vois pas Dembélé au fond neuf. Dembélé, il faut laisser à droite, en vrai. Milieu Pas droite, sur tu ce match-là. vois. Non, sur ce match-là, il faut vraiment qu'il percute. On a besoin de lui en Je vitesse. comprends pas. En fait, il faut leur faire Tu vois. mal. Il faut leur faire mal. Il faut leur faire mal du C'est début à ça. la fin. Et Exactement. Dembélé peut finir le match. Dembélé peut faire le match en entier du début à la fin sur son côté, puis leur faire mal. Il peut les essouffler. Exactement. Après, tu vois, là où il y a un problème, je trouve, au PSG, je ne sais pas si tu peux partager cet avis, c'est que si je te cite des joueurs au milieu de terrain, tu vas me dire que je vais te citer des joueurs. Je vais Dis-moi. te dire Vitinha, Ruiz, Zaïre Emery, il y a qui encore au milieu de terrain? Le Coréen, là, j'oublie son nom. Comment il s'appelle là? Il avait été Je blessé sais au plus. début de saison. Ouais, J'ai oublié comment c'est. bref. Ouais, Les gens oui. savent de qui on parle. Ça, Mais regarde. pour moi, c'est les joueurs qui sont là juste pour gonfler le staff. C'est ça. Non, mais voilà, c'est des joueurs de rotation, etc. Bref, on va prendre les titulaires. Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha, par exemple, ou Ruiz. Parmi ces quatre joueurs-là, tu comprends? Parmi ces quatre joueurs-là, ils sont plus défensifs ou plus offensifs? Alors, j'aime Emery. Non, Vitinha, lui, il est. Ça dépend, mais il sait monter. Il sait quand il doit C'est pas monter. pareil. C'est pas pareil, en Oui, fait. mais En fait, c'est qu'il y a une cassure. il sait quand il doit apporter du soutien. C'est fini. En fait, depuis quelques matchs, ça y est. En fait, le coach, il a mis son dans. Il a mis milieu récupérateur. Il ne bougera plus Ah, là-bas c'est parce qu'il moi. est excellent là-bas. Tu vois? Parce que moi, je Ensuite, me à rappelais Ruiz. que les matchs que je voyais Ruiz de n'est plus lui, il joueur savait qu'on projection. Je fallait suis d'accord. monter. Oui. Mais maintenant, il a mis vraiment récupérateur. C'est là, en fait, parce qu'il a besoin d'un joueur technique qui peut ressortir les ballons proprement. Et là, sur ce plan-là, le seul qui se rapprochait de Verratti, c'est Vitinha. Il y avait Il l'a attends dit. il y a, Tu vois? comment je Danilo il est encore là, il est plus là, lui. Danilo. Hey, il est encore là, mais il chauffe le banc. Ouais, mais lui dans les grands matchs, quand il rentre, il fait le taf, hein. On l'oublie, Lui, lui. il est très régulier, mais sa grosse faiblesse, c'est la vitesse. Non, Il mais en est fait parce hyper que lent. la vitesse il peut pas aussi le cardio parce qu'il fait jamais les matchs entiers, lui. Mais Non, non, ça il tient, c'est juste que malheureusement, il n'a pas de chance, tu vois. Là, c'est ouais, dommage, par exemple, il n'y a ils ont pas un plus mais Kimpembe, par c'est pour ça exemple, que je pour dis le pas de faire. cardio. Mais pour moi, t'es pour moi, face au Barça, tu vois, face à une équipe comme le Barça, parce que quand t'as les joueurs comme Mbappé, Dembélé qui vont faire le foutoir devant là, il faut quand même, tu en sais jamais, tu vois, s'ils perdent le ballon, il faut des joueurs comme Danilo. Non, je crois que Danilo, c'est un battant, tu vois. Il est là, il se place au... il a beaucoup d'expérience. Ouais, Il se c'est pour place ça. bien, il est costaud, dans les airs, il est costaud. C'est Mais ça. bon, tu sens qu'il manque quelque chose. Mais il est régulier, c'est dommage. Il ne mérite pas de chauffer le banc, tu vois, de ma part. Tu Tu vois? comprends, moi, pourquoi? C'est pour ça que je pense à lui. Parce que quand Est-ce t'as que dit tu... Est-ce milieu que je peux te poser défensif, une j'ai pensé à question? lui direct. Je pose une question. Est-ce que tu as déjà vu le nouveau joueur de Beraldo? Tu as déjà vu jouer le Beraldo ou pas? Non. Alors, Beraldo, si tu le vois jouer un de ces quatre, moi je l'ai vu jouer, j'ai vu ses matchs. Il vient juste. Il est tout jeune, hein. Il a fait quelques matchs. Et en Champions League, il fait des bons matchs. Et je ne sais pas si Luis Enrique il pense comme ça ou pas, mais il y a un truc à essayer avec lui, parce que j'ai vu jouer, hein. Je connais bien l'équipe. De lui mettre. Je ne sais pas si les autres. Enfin, si tout le monde écoute, mais Beraldo.
en milieu défensif récupérateur, parce que c'est le seul en fait défenseur qui relance bien en fait, qui relance proprement et qui relance bien. Est-ce qu'ils essaieront pas de jouer avec un défense à 3, mais avec un Beraldo en milieu défensif, par exemple? Dans un match à grosse pression comme ça? Je sais pas. Je te parle de peut-être avant justement de l'essayer en championnat avant le Ah match. Parce que oui, là, il lui, reste d'essayer encore en championnat, voilà. essayer de le mettre en Parce que moi confiance, essayer j'y ai pensé. Après, de je suis voir ce peut-être qu'il fou, peut-être que vaut. j'ai tort, mais je pense que on peut peut-être essayer de trouver ce joueur-là, comme ça on pourra monter d'un cran Vitinha. Oui. Tu vois? Ou faire la paire Vitinha-Beraldo. Mais bon, après, tu vas Exactement. virer tout le joueur milieu de Machin, terrain. et après, derrière, comme Parce ça que si tu appuie. regardes, en fait, dans toute l'année, il n'y a pas eu un titulaire indiscutable au PSG au milieu de terrain, à part Zaïre Emery. Tu Ouais, vois? oui, Les autres sont bah, pas. oui, Vitinha a été en rotation, Ruiz est en rotation, Ugarte, je ne le vois plus trop. Garde-toi, Il n'y a plus vraiment de. Tu vois, il n'y a pas vraiment de joueur fixe qui a vraiment conquis le coach. Tu vois? À part Zaïre Emery. C'est ça la différence aussi, tu vois? mais est-ce que c'est pas une tactique du coach aussi de leur dire, les gars, ne croyez pas que vous êtes indispensable à l'équipe, peut-être plus comme c'est pas des gros noms, tu vois. Je pense pas. En fait, je pense pas. Je pense que ce coach-là, il a beaucoup d'expérience. C'est un gagneur, tu vois. Et lui, il veut exploiter son équipe au meilleur, quitte à mettre sur le banc des joueurs qu'on ne pensait pas. Ce coach-là, tu vois, en fait, il est têtu et il est arrogant. C'est-à-dire que c'est lui, Après, sa décision. Et il connaît, en fait. Il connaît bien le football, ce mec-là. C'est un espagnol, tu vois. Il est vraiment en philosophie espagnole. T'as vu, Ruiz, il joue parce que, je dis pas parce qu'il est espagnol, mais en fait, il aime bien les joueurs qui sont techniques. C'est pour ça que Ben, il joue pas. les Tu joueurs qui comprends? font Il aime bien leur les jeux de balle, en fait. c'est ça. Ruiz, Vitinha, il adore les joueurs comme ça. Il n'est pas trop fan de joueurs qui sont lourds ou bien qui Qui sont dégagent comme bruts. des Il bourrins. n'aime pas la brutalité. Voilà, il veut bien ressortir les balles. Il aime bien ces joueurs-là, tu vois. Il est comme ça, lui. Donc il veut mettre des joueurs techniques, il veut privatiser sur des joueurs techniques. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il fait beaucoup jouer Ruiz, parce que Ruiz, mine de rien, je suis pas fan de lui, mais il est technique. C'est-à-dire qu'il apporte plus en passe, tu vois, en conduite de balle, etc. Mais bon, après. Et je te dis que le Barça, ils vont avoir un grand handicap. Hein. Il y a beaucoup de joueurs blessés. La défense, elle est morte. Et que Koundé qui court vite. C'est quoi le match? C'est quoi le match? C'est en... C'est en avril, c'est le 7, je crois, avril, je crois, C'est le 11, un 16? truc comme ça. Non, c'est Le 7 ou le 11, un truc le comme ça. 7. Ouais, c'est ça. Après, t'as les retours. Les retours, c'est le 13, je sais pas quoi. Ouais, en tout cas, Le les deux 16. matchs, les retours, c'est mois d'avril. Ouais. Ouais, voilà. À Donc, sur une ou les deux gars, ouais. semaines près, ouais, un truc comme ça. Ouais, Donc voilà. là, on va dire dans un mois à peu près. Dans un mois, 3 semaines. Ouais, exactement un mois en fait. Ouais, Ouais, dans un mois. il doit 3 semaines, rester un peut-être deux, mois. trois matchs de championnat. Ouais, c'est ça. Donc Et voilà. en fait, mais le Barça Dis-moi. aussi. En fait, comme on a dit la dernière fois, le Barça a pas grand-chose à perdre, mais en même temps beaucoup à perdre sur ce match-là. Suis Ils ont d'accord. plus à gagner. Non, ils ont plus à gagner qu'à perdre. C'est un peu traître. Après, ça Tu reste le vois? Barça, comme je t'expliquais l'autre Tu jour. vois? Ça reste un grand club, même s'ils sont pas bien. Ils peuvent très bien avoir un coup de folie. Et là, encore une C'est fois, ça. c'est pas eux qui me font peur, mais le Barça, c'est un club historique. Mais moi, le gros problème, c'est, encore une fois, mis à part tout ce qu'on vient de dire, c'est côté psychologique. Le match retour, il est au Camp Nou, tu vois. C'est ça qui fait peur. C'est ça le Et problème. voyons juste voir le match aller, en fait, comment il se déroule. Et match retour, à Paris, tu sais, peut-être qu'ils ont changé ou pas. Mais on sait que dans l'historique de Paris, soit contre Manchester, ça soit contre Barça, ça soit contre Le plein de clubs, Real, contre le le Real aussi, hein, Real. parce qu'il y a Regarde aussi face au Real la Ramondada, dernière il y a fois. Ramondada dans le Real aussi. Ouais, Benzema, là, les deux Paf, buts, hein. paf. Et Voilà. Bah, ça, ça se joue t'avais toujours pas le temps de fêter le jouer but, au match t'avais le retour. deuxième but. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère pas que Paris gagne largement. Je préfère même un Ouais, c'est petit ça que j'ai dit. 1-0-2-0 ou 1-1-0, un 2-1 2-0, et que ça 2-1. joue derrière. En fait, je veux deux matchs. Voilà. Moi, je veux deux matchs où même s'il y a un score à l'aller, ils prennent pas en considération et ils jouent C'est pour ça. gagner, tout simplement. Si Paris se met à jouer pour gagner, ils vont gagner. Si Paris se met à Ils vont compter pas les gagner. buts, ils vont C'est pas ça. gagner. Faut pas compter les buts. Ou bien du moins, ils En vont fait, avoir faut des dire gros problèmes, tu à vois. la fin, faut connaître Il les faut trois juste points. jouer. Faut juste réfléchir comme ça. À la fin, faut connaître les 3 points. C'est ça, il faut profiter des faiblesses. Voilà, il faut voir, il faut analyser, il faut voir les faiblesses de l'autre équipe. Il faut Ouais, rentrer dans le tas. ça c'est bon, Comme ils c'est savent bon. faire. Ça... On a bien débattu là, c'est bon. On a fait 30 minutes tranquillement. Voilà, si tu as Ouais, j'ai d'autres pas d'autres questions. questions sur un truc. Si demain je rentre tôt, on va essayer de débattre de Ngannou. Je vais voir. De Ngannou. Ouais, pourquoi pas. Après, si on peut faire un petit truc rapide, mis à part le PSG à Barça, le On Real peut City, je veux juste le ton faire pronostic demain de Real City. ou après-demain, la City.
Vas-y, Donc on demain, passe là, demain, il n'y si a pas tu de veux. souci. Vas-y. Comme ça, en plus, il y aura beaucoup à dire. Vas-y, pas de souci. Sur les deux Il y équipes, a il y a beaucoup à dire, beaucoup, ouais, beaucoup à sur Real dire. En plus, City. ils sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Donc là, pour eux, là, il y a beaucoup à dire aussi. Mais tu vois, juste en parallèle, je finis juste sur ça, après je te laisse tranquille. En parallèle, tu vois, quand on parlait du milieu de terrain, quand je te disais plus défensif ou plus offensif, tu vois pourquoi moi, le City, c'est fort? Parce que City, ils ont C'est des ça? joueurs à chaque poste, tout simplement. Si tu regardes le milieu de terrain, tu as Rodri qui fait le travail derrière, tu as De Bruyne qui fait T'as entre les deux. Silva Tu sur le vois, juste ces côté. deux joueurs-là, ça T'as fait mal à la Foden. En tête. plus, Exactement, ils ont tu une vois là, profondeur tu avais. de banc. Oui. Juste en défense. Juste parfois en défense, Ouais, ils font un aussi. peu peur. En fait, parfois, la défense, ils me font toujours peur. C'est Et vrai. encore. Parce qu'ils ont... Et tu sais pourquoi il y a encore? Parce que la patte Pep Guardiola, si tu regardes la compo qu'ils ont, ils jouent à 5 défenseurs. En Ouais. fait, ils sont à 3 Ouais, c'est ça. défenseurs, mais à la fois Trois à 5. défenseurs, Et ça, on en il y a parlera plus deux tard si derrière. tu veux. Donc, mais en annexe, moi, depuis que le Qatar est venu au PSG, le premier joueur que j'ai voulu vraiment que Paris achète, c'est De Bruyne. C'est vraiment le Mais joueur est-ce que ce qu'il nous serait plus fallait à depuis le Paris? début, C'est ça la au milieu de question. terrain, mec. Est-ce que ce serait plus à De quoi? Paris? Non, peu importe, je te parle juste sur le. Non, je parle pas du joueur en télé. Je parle juste par rapport à ce que Ah qui oui, nous manque vraiment au un PSG, joueur quoi. avec une patte comme ça, quoi. Tu vois, un relayeur, un 10, un mec comme ça, franchement, Mais il qui dit te fait. rien. Ouais, Fait une bonne ça fait patte mal à la aussi. tête. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je parle Ah dans le cœur du jeu. Pour moi, le meilleur au monde, dans le cœur du jeu, c'est ouais. Ouais, lui. il y a ce Et joueur-là. depuis En fait, pas, peut-être pas c'est cette le année, mais joueur. en régularité, le sans De Bruyne avec De Bruyne, City n'est pas le Mais même en bien Serie A. sûr, ça, À on l'a part vu peut-être quand il cette était année, mais il blessé a là. commencé à devenir Quand vieux. il était blessé, on l'a vu le Ben oui, City il de y a sombre une de Bruyne rupture de la cuisse. commencer. Il sait tout. En fait, Ah oui. il sait tout faire. C'est Voilà, il l'enfant sait tout faire au milieu prodige. de On terrain. l'appelle T'as pas l'enfant besoin de lui poser prodige. des questions. Ouais, mais moi, ça reste mon joueur préféré au milieu de terrain. Et puis, à part Iniesta, bien sûr. Mais oui, c'est le joueur. Tu vois ce qui manque au PSG, c'est lui ce qu'il a, en fait. Tu vois? Et ça, depuis des années, je le dis. Je te jure, hein, De Bruyne, pendant qu'on avait tous les stars au milieu de terrain, Bien ça sûr. aurait fait très, très mal. Un De Bruyne. Mais bon. T'es fou, Non, il t'ouvre le on va jeu. s'arrêter là, De je toute façon, on pense. en parlera demain. De toute façon, il y a... Parce On que en parlera. le Real aussi, ils ont un Modric, tu vois, ils ont des joueurs comme ça, tu vois. Donc, demain, on va faire une bonne Bien sûr. comparaison des compos de Real et de City. Est-ce que tu as eu d'autres Non, pas messages ou pour pas dans l'instant, le non. live? J'ai dit, on l'a fait un peu tard, tu vois. Mais Ok, il y avait ça des gens marche. qui sont passés. Mais demain, on va jouer. Demain, normalement, si je veux voir si je sors, au pire, je ferai dimanche, parce que dimanche, je sors pas. Parce que normalement, demain soir, je sors. Mais en tout cas, Vas-y, ouais, pas de faut qu'on souci. parle de ce match-là, Pas de souci. Tu me tiens le juste au Real, courant. truc là, ça m'a fait Paris-Barça. Donc voilà. Donc au final, donc Paris, il faut qu'il fasse le taf Ouais, c'est sans trop le ça. faire, Exactement. sans prendre la confiance et assurer, on va dire, au match aller, sans trop prendre la confiance et jouer pour la Faut qu'ils gagne. jouent pour la En fait, il faut gagne. qu'il Faut joue qu'ils pour jouent la pour la gagne. gagne. C'est ça Faut le qu'ils final. cette Dans année, les deux faut matchs. qu'on l'apprenne et faut qu'on gagne les matchs. Même si à Combien 4-0, de il faut fois faire quand comme le s'il y a des Bayern là, 0-0. quand Voilà. les Il Paul faut le vraiment. Bayern Voilà. là, ils mettaient des rafles à tout le monde. Ils sont foutus du score. Ouais, mais les Bayern ne sont pas marrants. Ouais, Ouais, ils c'est s'en ça. foutaient, ils jouaient. Ils, en Juste, fait, ouais, ils c'est ça. voulaient Dans juste la tuer rue, l'ennemi, Funer en fait. qui Des est dans Allemands, la quoi. rue, parfois Funer qui est Voilà. tueur. Je veux rien savoir, j'éteins tout le monde. Il faut tuer. Voilà. Et c'est comme ça que Voilà. tu Je suis respectes les venu gens. jouer. Je vais vous montrer le football. Exactement. Bon, merci Bah, pour merci à toi, ça fait toujours ce plaisir débat, en tout de cas. mettre nos idées sur en place Voilà. et de raconter nos vies. T'inquiète. Oui, bah après, voilà, je pense pas qu'on a été bête sur ce sujet-là, et je pense que les gens pourront témoigner, mais ça semble être logique, je pense, de partager ça. Bon. On fait ça alors? Ok, Kevin. Bon, Toi aussi, bah à écoute, bonne demain, à soirée. dimanche, c'est bon. Allez, plus Vas-y, tard. tiens-moi au courant, pas de soucis. À bientôt. Ciao.